Il était Max, il est devenu Max Angel live après 2 ans de mannequinat. Il se lance dans une carrière solo et nous présente ce matin son titre en mode amour. Je l'accueille sur ce plateau, Max Angel live. Bonjour. Bonjour. Et les nordistes de Saint-Amand-les-Eaux, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Avec un petit cadeau pour notre décor, ça c'est la tradition. Ah, tenez. Le pot de pâte modelante. Voilà, c'est ça, ouais. C'est mon pot de gel que j'utilise tous les matins. Combien de temps pour... Quelques minutes. C'est vrai, ça va vite, ouais. Vous avez l'habitude? Ouais, ça va vite, ouais. C'est un look que vous avez choisi d'adopter, c'était déjà dans votre période de mannequinat, parce que là, vous venez de faire 2 ans de... Ouais, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours eu cette coupe de cheveux, ouais. Ça me plaît, et ouais, j'aime bien... Voilà, un peu, être un peu original quoi, sur ma coupe de cheveux, j'aime bien. Très bien, mais vous étiez déjà original du temps de Max et Mango, j'en parlais à l'instant, Max et Mango. Et ce titre, qui va vous dire quelque chose? J'en suis sûre, tout va bien, on écoute. Tout va bien. Max et Mango, tout va bien. Et Max Angel live sur ce plateau. Qu'est-ce que ça vous avait apporté, ce duo? C'est ça qui vous a donné envie de faire la chanson? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et de continuer tout ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu la chance on a eu la chance avec Mango de pouvoir monter sur scène et de pouvoir transmettre de l'énergie au public. Ça, c'est quelque chose qui ouais, vous a c'est vraiment, quelque chose de très fort, en fait. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très fort, c'est magique. Et de pouvoir aussi... eux-mêmes, le public, transmettent de l'énergie, c'est vrai, ouais, c'est vraiment top, c'est magique. Ça vous porte. Alors, avant de vous lancer dans cette carrière solo, 2 ans de mannequinat, qu'est-ce qui vous a amené vers le mannequinat, sachant qu'en plus, vous avez quand même remporté des concours, Top Model Belgium 2014, Best of Model Belgium 2016. Oui, j'ai commencé le mannequinat à 2 ans, à l'âge de 2 ans. Et c'est vrai qu'en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Les défilés de mode se sont enchaînés naturellement, la chanson... Mais là, l'envie de chanter était de chanter, trop, ouais, forte, trop forte. Et vous voilà avec ce single en mode amour, on écoute. Je suis en mode amour. Vous travaillez avec des auteurs, Thierry Sforza, Jean Réveillon. Jean Réveillon. On voit un clip travailler. Vous êtes sur le projet d'un album, là. Ouais, je suis sur le projet de plusieurs choses, en fait. Alors, dites-moi. En premier, je commence par un deuxième single qui arrivera en janvier. Et ensuite, mon prochain album qui arrivera, qui est en préparation. Vous avez déjà le titre ou pas? Non, du tout. Mais ça arrivera très prochainement, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Et puis il y a une comédie musicale dans les tuyaux également. Une comédie musicale, pour l'instant, on commence les répétitions en janvier. Voilà. Vous avez le rôle titre? Courant janvier. J'ai le rôle, premier rôle masculin de la comédie. Et ensuite. C'est quoi juste le thème? Le thème, c'est un peu les années 50. Bah, on peut pas trop, je peux pas trop en dire pour l'instant. Les années 50, désolé. Et donc ça commencera vraiment, les premiers tournages se feront en octobre 2019. Et j'aurai une prestation aussi, pour revenir au chant, j'aurai une prestation qui se fera le 17 décembre. Alors ça, c'est Viva for Life, voilà, en Belgique, Viva for Life, à Nivelles, entre Mons et Bruxelles. Et là, c'est un peu caritatif. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est pour aider les personnes qui ont un peu moins d'argent. Et voilà, on fait ça avec... Ça vous touche, vous, de participer à ce genre d'événement? Beaucoup, beaucoup. Et alors, à terme, quoi? Le cinéma, ça vous plairait, ça? Ah, ça, ce serait mon rêve. Ça, c'est mon rêve de devenir acteur, ce serait magique. Ensuite, dans les projets, donc, pour parler aussi un peu du mannequinat, je pars très prochainement, certainement en janvier aussi, à New York, pour faire des photos. Mais quel planning! Et malgré tout, toujours étudiant à Saint-Amand-les-Eaux. Toujours, ouais, à Saint-Amand-les-Eaux. Bah oui, j'habite là depuis que je suis tout petit. En quelle classe, Max? Je suis en seconde.
Et c'est vrai que Saint-Thomas, ouais, c'est vraiment une ville magnifique. C'est faisable de rater les cours aussi souvent et de... Il va bientôt falloir penser à des cours par correspondance. Dans mon lycée, ça va, ils sont assez... Ils comprennent assez bien, ils sont assez sympathiques pour ça. Et ouais, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, en fait, Saint-Thomas, c'est une ville vraiment... très, très belle ville sportive, dynamique, tout ça, c'est bien. Ouais. Merci. On s'y sent bien.